Y'a tout le monde, samedi prochain, on se retrouve pour la 16e étape du Tour de Pologne avec les FDJ BMAT. Donc voilà, une étape semblable à la veille, tous les Grands Prix de la montagne, là ça, c'est un peu chiant, donc c'est pas trop ce que je vais faire. Je vous propose qu'on se retrouve pour à peu près au kilomètre 172, donc ici à peu près. Par là pour le final de l'étape, bien sûr je vous donnerai un récapitulatif de tous ceux qui sont passés en tête. Donc, tous les grands prix de la montagne. La 7e étape, ce sera tout plat. Donc normalement, je devrais conserver mon maillot de pilote. Normalement. De retour, donc, à 28 km de l'arrivée. On a une échappée qui va sans doute aller au bout. Je vais essayer de limiter les dégâts, mais elle va sans doute aller au bout. Sac 25. Alors que Jenny Merzman était dans l'échappée, je me suis inquiété, mais il n'a même pas joué les points. Voilà, regardez ça. Regardez si on avance un tout petit peu. Ça ne joue même pas les points. Ce qui m'étonne. Regardez. Van de Velde, là, il va faire une bonne opération quand même. Ouh, attaque de Van Garderen. Attaque de TJ Van Garderen. Donc ce que je vais faire... Je vais rouler fort avec Jensen. Je vais prendre le gel pour Pinot. Jensen s'est déjà fait. Et je vais essayer de me mettre dans la roue de Jensen. Parce que là, Van Garderen, il est parti. 30 secondes d'avance. Toujours sur ce style caractéristique assis sur la selle. Bon, on va voir. On va voir. On va voir, on va voir ce qui va se passer. L'échappée va sans doute aller au bout. On va être capable de limiter les dégâts. Bon, j'ai le son. Fringale totale. Donc je vais essayer d'accompagner Van Garderen avec Pinot. Je vais essayer de collaborer. Je suis repris. On va voir. Donc attaque du maillot jaune. Hein. Alors, ça peut sembler peut-être un peu... C'est pour réveiller le peloton, c'est... Voilà. Je peux pas prendre de l'avance. Hein. Je ne reprends rien. J'ai oublié de... Ravitailler, mais bon. Voilà. On va voir Richie Porte. Ce que ça va donner, tout ça. Richie Porte. Attaque de Michele Scarponi. Attaque de Scarponi. Donc là, je m'en fous de tous les autres, hein, en fait, un peu. Jensen, là, il peut plus. Il en fera un gueule. Je sais pas ce qu'il a chaque fois qu'il essaie d'attaquer. Brossenhagen, il est en chien pour suivre. Protégé par Richie Porte, là faudrait s'associer avec Scarponi. On va voir s'il va rouler avec moi. Il roule même pas avec moi cet enfoiré. Des Italiens ça. On va voir. Je vais laisser un peu rouler. Ok, les Scarponi. Ou alors que la Boissonnaguen sort une scène Nivet qui sorte du peloton. Ouh bah voilà, bah ça va arranger mes affaires. Pouvoir collaborer. Sorensen, Nivet sont sortis. Dan Martin essaie de sortir. Simon Spilak, Matteo Carrara également. Là je roule pas. Le groupe Maillot Jaune est là. Un groupe où figure Richie Porte, Scarponi, Sorensen, Nivet et Boissonnaguen. Le ton, il a 25 secondes emmené par Van Garderen et Popovic. L'échappée qui est devant à 2,22 et vont certainement se disputer la victoire avant les finales. Toute dernière attaque avant. Allez, attaque. Attaque de Thibaut Pinot. On va voir ce que ça a donné. Alors, la victoire finale. Ouais. Merzman, hein. Merzman semble le plus rapide.
Attention quand même à attaquer au bon moment. Pourquoi moins qu'on revienne maintenant? Non, 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 moins que le groupe voyageur je ne revienne, j'allais dire, mais... C'est une mission impossible. On sort une scène qui part. Sur les Bertagnoli. Excusez-moi, Bertagnoli qui va gagner. Qui va remporter cette étape. Tel un Dalempré. Van de Velde. Pinot au sprint. Oh, Boissonnaguen. Oh, il est puissant, Boissonnaguen. Hein. Il est à 27 secondes, c'est pas qu'il reprenne trop de temps, ça va. Voilà, donc j'aurai rien perdu normalement aujourd'hui. La course est jouée, mais les attardés du jour parviennent seulement maintenant sur la ligne d'arrivée. Oh, Vandenbroek. Oh, oh, l'attendait plus frais. Hein. Avec un 78 de montagne et 78 de vallon. On attendait qu'il attaquerait, mais même pas. Rosson, Boigné démarre. Je vais laisser finir la course tranquille. Voilà, donc on va voir tout de suite les podiums. Leonardo Bertagnoli qui s'impose avec 10 secondes d'avance sur Van de Velde. 21 sur Galopin, 37 sur Mersman et Moreno, 5 rangs sur le groupe Martinez où figure Petrov, Cummings, Pouls, Smith et les autres de l'échappée. Thibaut Pinot est toujours en tête. Miguel Scarboni récupère un petit peu de temps. Il se classe deuxième à 14 secondes. Ça ne devrait pas bouger. Edouard de Boissonnaguen au classement par points. Il a, là, 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 il a acquis ce classement par points. Gros sprint demain. Mais normalement, c'est sûr qu'il a acquis ce fondant. Au classement de la montagne, attention à Van de Velde qui revenait, mais ça devrait être définitif également. La Lampre, grâce à la victoire de Bertagnoli au classement de Scarponi. Devant Euskaltel, Garmin, Radioshack, Vacances Lune, Movistar, Stana Sky, BMC, Rabobank, la FDJ ne figure pas dans ce classement. Donc voilà, Bertagnoli, le plus fort, bah peut-être au sprint en tout cas. Il a devancé Van de Velde, il a devancé tout ce possible. Donc voilà, Pinot. Ouais, et Scarponi, il a pris un peu de temps. Boissonnaguen après 4 secondes. Bon, voilà. Donc demain, étape toute plate. Dernière étape, demain. Toute plate. Voilà. Donc, bah, demain pour le Tour de France avec Euskaltel. Pour le Tour de Pologne. Et pour le Tour de Pologne. Donc voilà, bye bye.